Rien, tu m'entends? Rien, il ne recule devant rien, même pas les heures sup gratuites. Et donc on se retrouve pour un nouveau stream de la mort qui pulse toujours avec ce thème bon enfant que vous semblez apprécier. Que sont les boulettes? Donc le shmup du jour nécessitera, comme vous en avez pris l'habitude, d'utiliser la DeLorean encore. Puisqu'on va retourner en 1994 avec un jeu fait par une boîte obscure que je ne connais pas du tout, sur lequel je ne suis même pas arrivé à trouver des infos relativement croustillantes, et qui s'appelle Rapid Hero. Du peu que j'en ai aperçu, il ne démérite pas son titre de rapide, car effectivement, rapide il est. Mais je pense que, une fois de plus, je le ramène sur la table, mon émulation rapide est également. Donc à ce niveau-là, il y a un bon cumul. J'espère que je vais quand même pouvoir avancer dans le jeu. Surtout qu'il semble pas trop mal du tout. On va regarder ça tout de suite. Allez, des sous. Bah des sous, c'est à vous de les mettre, les sous, les gars. Et vous croyez que vous servez à quoi les gens qui matent les streams? Bon, je rigole. Hop, 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 hop. Bon, nous en plein. Bon, ça c'est pas très joli, mais c'est pas grave. On va voir le reste. Alors, petit vaisseau, petit bonus. J'aurais dû me remonter le son, mais c'est pas grave. Ah oui, si le scrolling était de cette qualité-là sur la version d'origine, joli, joli travail, c'est très smooth. Piu, 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 piu. Et c'est que ça chôme pas, hein. Alors là, c'est le premier niveau, donc je me demande ce qu'il va me faire après. Si l'idée, c'est d'accélérer, je sais pas si je suis vraiment d'accord. Je suis pas trop envie de parler de boulettes encore, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et je n'ai pas encore utilisé ma super bombe de la mort. Fatale! Ça y est, ça commence à devenir sport là. Mais bon, j'ai un tir sympa. Je suis curieux par contre de voir si je me prends une prune, s'il me reset tout. Ah d'accord. Ah ouais, lui il est pas là pour déconner avec son sabre. Hein. Mais c'est un sabre de Star Wars ça! Oh. Ça aurait été ballot. Ouais, bah oui, non, mais fallait que je tente. J'ai la curiosité qui démange des fois. Oui, on redémarre à poil. Alors ça, c'est la super bad news, les gars. Puis à poil de chez poil, quoi. Tu veux pas me lâcher un petit bonus? Non, même pas, rien que dalle. Ok, meurt. Bah, je vais continuer avec mon piou-piou, mais j'espère que les vagues qui vont arriver vont pas être aussi violentes que les précédentes, parce que le temps que je remonte l'armement, c'est le fameux souci que j'avais expliqué sur le stream précédent. Donc les shmups qui vous remettent à poil, c'est bien, parce que c'est punitif, ça vous force à vous enlever les doigts. Mais, d'un autre côté, il se trouve que vous arrivez sur des vagues d'ennemis à un moment où bah, vous êtes sérieusement emmerdé, alors que le truc se passe les doigts dans le nez normalement. Ça va bomber les enfants si vous continuez là. Ah mais j'avais prévenu là. Et à un moment, surtout j'en ai pas passé une seule, ce serait bien de voir au moins la tronche que ça. Je ne connais pas tes patterns, mon jeune ami vert, mais. Ouais, bah, t'auras pas duré longtemps, disons. Piu, 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 piu. Re, piu, 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 piu. Ah oui, Rapid Hero, c'est rapide, hein. Je confirme. C'est même peut-être un poil trop rapide, parce que du coup, je vais récupérer mon bonus, bordel. Hop, papa, ça y est, ça commence à se compliquer. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Surtout ne pas rater les bonus. Alors, te revoilà, toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ah, mais t'es venu avec des potes. Ok, tiens, cadeau. Donc, à ce que vous voyez. Non, 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 non. Non, non, c'est pas possible, ça. Eh oui, je t'avais expliqué. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a Talida en diagonale.
en train de jouer de l'harmonica. Stage 2 clear. Il est bizarre ce jeu. Il est pas super joli, mais du coup il rattrape ses petites lacunes visuelles par un gameplay qui est super marrant. Parce que c'est vraiment speed, c'est agréable en fait. Et oui, j'ai dit le mot, c'est agréable. De là à dire que je prends du plaisir. Ah oui. Contrairement au stream qui a juste précédé, où vous avez vu ce que c'était quand je m'emmerde profondément dans un jeu. Bah là, au moins, il y a de quoi s'occuper, hein. Oh, ça m'a pris. Il y a un petit côté Galaga de la façon dont apparaissent les bestioles, c'est assez rigolo. Nom de Zeus. Il va falloir que ça se calme un jour, les gars. Eh merde, j'ai pas vu venir celui-là. Oui, avec joie. Ce jeu me plaît. Il est rétro, il est old school, mais il fonctionne très très bien. Alors, dépiautage de boss, morceau par morceau, les tourelles, il y en a plus. On voit des copains, c'est ça, pauvre lâche, même pas capable d'assumer tout seul. Plus c'est gros, plus c'est fou ça. Ah oui, dégommer les petits docks de lancement des trucs. Hop. Ah, dommage. C'est le problème de jouer au stick, ça. Enfin, de jouer au pad. Il y a un débattement où on n'a pas la précision qu'on a avec un vrai stick arcade. Et je veux pas m'en servir une fois de plus comme prétexte, mais c'est un confort quand même qui n'est pas négligeable quand on joue au shmup régulièrement. Surtout qu'il me semble que les sticks arcade, même s'ils n'ont pas la qualité indestructible du stick d'arcade fait avec des boutons de fou qu'on commande au Japon, bah, mine de rien, vous avez des sticks arcade tout à fait fréquentables pour des budgets qui ont bien réduit, il me semble, ces dernières années. Et ce serait bête de ne pas en profiter. Ils sont un peu chiants, eux. Ouais, j'aurais dû bomber, je crois. Hop. Oh là là, mon déplacement qui m'ennuie. Ok, mais ça coûte bombe, hein. Oh, zut. Le fou de saut, c'est couillon. Tiens, mange. Et meurs en paix. Je connaissais pas du tout ce titre. Il est bien marrant. Par contre, ah d'accord, c'est un boss. Mais c'est. Ouh, ça ressemble à. Comment il s'appelle? Guitar Robot. Il est très inspiré, Guitar Robot, ce truc. C'est marrant. Désolé, hein. Oh, pardon. Oui, je continue dans la joie et l'allégresse. Car nous sommes faits pour nous entendre, cher ami Tan Branfang. Tu vas faire un tir de la mort. C'est un peu vif. Hein. J'y vais à la bombasse parce que j'ai pas le temps de me rééquiper. Et que pour l'instant, il me met la fessée. Et je n'arrive pas à me guider entre les boulettes, c'est dramatique. Faut dire que la hitbox est assez conséquente apparemment. Je crois qu'elle prend la largeur du vaisseau. Il y a juste le bout des ailes qui n'est pas compté dedans. Mais pour le reste, il n'y a pas de cadeau, quoi. Genre, si on regarde, ouais, ça doit faire le corps et les réacteurs, je pense. Donc rajouter aux déplacements qui sont un petit peu trop vifs pour que je puisse faire exactement ce que je veux, c'est un poil difficile du coup. Mais c'est bien, ça donne. Ça donne de quoi se faire les dents. Alors quand j'aime bien un jeu, j'aime bien un jeu, vous avez remarqué. Donc celui-là, j'arrête pas de lui trouver des avantages. Et c'est très rigolo, ce décor en mousse derrière. Un décor en carton? Non monsieur, c'est un décor en mousse. C'est génial. Il me fait beaucoup rire en fait, ce soft. Et puis alors les vagues d'apparition des bestioles à la Space Invader, ouais,
Le parti pris me fait tout à fait rigoler, parce que c'est fallait oser, quoi. Puis la vitesse est vraiment bien. J'aurais aimé voir la version arcade, voir s'il tourne vraiment à cette vitesse-là, parce que là. Oui, vous n'avez pas la caméra à retour, mais là j'ai la banane, je souris totalement. Ce truc est rigolo. Ce jeu est bien fichu, je crois qu'on va se le finir pour le principe. Parce que, en plus, sur les armures de boss, il a pas l'air très radin. Et il fait des trucs. Des trucs sympas. Donc, comme quoi, sur une idée toute pourrie, un nom complètement anodin. Alors, Rapid Hero, franchement. Excusez-moi, mais. Il y avait quand même quelque chose de plus glamour, d'exploitable. Oh là là, il n'y a jamais de pause. Je voudrais bien élargir mon tir, s'il vous plaît. Parce que là, je crois que je vais commencer à rentrer dans la zone de souffrance ultime. Ah, élargis ton tir, Coco. Pour l'instant, le seul truc qui va être élargi, c'est moi. Aïe, aïe, aïe. Fallait pas se mettre là où ils apparaissent. Alors, oui, connaissant pas le jeu, c'est pas évident le coup des ennemis qui arrivent dans le dos. Il n'y a même pas un petit truc d'alerte. Ah, mais toi, t'as décidé de t'équiper, mon pote. Ok. Je pense qu'en fait, on va assister à toute l'évolution, donc, où il va augmenter son armure jusqu'à être définitivement indestructible. Ah, c'est quoi ce bordel au milieu, là? Ça tire en plus. Mais il me tire dessus, madame. Madame, je n'ai jamais demandé à me retrouver ici. Enfin, j'avais demandé la suite royale. Oh là là. Ça y est, je suis sorti du mode concentration. Je suis en mode boulet. The Ultimate Boulet of the Death. Tu me laisses avoir mes bonus un peu? Oh non, si je me jette sous les tirs, ça va pas le faire. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, mais c'était nécessaire. Il me reste un bonus à attraper, mais je n'arrive pas à l'attraper, car à chaque fois, il y a une boulette sur ma trajectoire, c'est dramatique. Va-t-on pouvoir voir la fin de ce boss? Est-ce que j'aurai les bonus? On se retrouve après la pub. Non, bon, là, tu cherches. Monsieur, monsieur, eh oui. Eh ben oui, tu gigotes avec ta petite papatte, mais voilà ce qui se passe quand on est méchant. Tu es un super bad. Rapide héros, marrant ce truc. Il n'y a absolument aucune info sur le jeu sur le net. Hein. C'est bizarre, ça fait partie des jeux maudits. Genre, ils étaient bien, mais on avait déjà vu passer avant d'autres trucs, donc les gens blasés sont passés à côté. C'est bien dommage parce que ce truc-là. Méritait tout à fait d'être tant sur arcade que sur ordinateur et console de l'époque. Hein. 94, ça nous fait, ouais, ça nous fait des bonnes machines déjà. Des bonnes 8 16 bits. Non, toi tu vas m'énerver là-haut. Ah, puis t'as décidé de pas être sympa. Hein. Le truc qui arrive par derrière, moyen, moyen, les gars. Moyen, 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 je dis même. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oula, ça s'attire. Les fameux vaisseaux qui pètent dans tous les sens avec leurs boulets de suicide. Ça a toujours été la petite saloperie récurrente. Bon, ça bombe là, il y en a. Hop, 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 on ménage mes petits yeux. Car des fois, je n'y vois plus grand-chose. Tellement il y a le bordel sur cet écran. Allez, on bombe, hein. Ça fait. Et au moins, je suis pas à poil pour les patterns suivants. Et c'est là qu'il se crée un tir tout con par derrière. Et que tous les bonus furent perdus. Il faut connaître par cœur, ça, c'est pas très sympa. Mamma mia. C'est passé un peu chaudard. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ouais, c'est sympa de mettre des bonus, mais là, c'était moyen. Moyen, moyen. J'ai plus de bombe. Comment sais-tu que tu n'as plus de bombe? Non, je n'ai pas eu le temps de regarder sur l'écran, c'est surtout que j'ai appuyé sur le bouton et rien n'est parti.
Donc pour tenir jusqu'au boss avec ce tir sans me faire shooter une seule fois, c'est une garantie que je ne vous offrerai pas. Mais pour 39,99€, vous pouvez avoir une extension de garantie sur ce stream de shmup qui vous permettra d'en voir la fin. Insérez votre carte bleue dans l'URL en dessus. Et n'oubliez pas les trois chiffres d'eau de la carte. Sinon ça ne me sert à rien. Wow. Je suis agréablement surpris. Hein. Le mec, en fait, c'est tout le temps le même boss qui revient, mais à chaque fois, il va faire ses courses et il fait ouais, non, mais là, je vais mettre un kit plein la gueule. Putain, j'ai pas de bombe. Donc, ce jeu est une très, très, très. Oh, et voilà, le drame. Une très agréable surprise. Viens là, toi. C'est toi qui m'as tiré dessus? J'ai bien vu, c'est toi qui m'as tiré dessus. Ça vient d'où? Alors, sacré pont. Quoi, encore un niveau? Ah non. La bataille ultime? Let's go! Ouh, qu'il est vénère! Ouh, qu'il est vénère! Ouais, mais là, ça fait un peu beaucoup de monde, les gars. C'est pas très sympa. Moi, je suis tout seul. Et oui, et je pleure du sang. Et bientôt mes boyaux. Et hop là, bon, bah, salvatrice au dernier moment, parce que je vois que ça à faire, vu que je ne connais pas du tout ces patterns de salopard. Encore un niveau? Avec joie. Yatta! Ça sent le dernier niveau, moi je vous dis. On aura bien rigolé avec ce petit jeu, mine de rien. Rapid Hero, je rappelle le titre au passage. Est-ce qu'il va me faire un boss rush mode? Oui, putain, je l'ai bien pris dans la figure celui-là. Tiens, prends ça sur le paillasson. Oupa! Trop faire le malin. Ça m'a été fatal. Et voilà. Les gars, les gars, les gars, les gars, on va se calmer. Je veux la dague. S'il vous plaît. Ah, ça, c'est mon syndrome Eddie Murphy qui revient. En général, quand ça me prend, c'est pas mon signe. Wapa! C'est limite, limite, là, les gars. Oh, la vitesse. C'est pas très sérieux, là. 2 secondes, 2 secondes, je trouve mon chemin. Oh putain, j'aurais dû bomber. On va bomber. Non, 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 je suis mort. Dans cette purée de pixels, il faut que je retrouve donc mon vaisseau, les bonus à reprendre et les vaisseaux ennemis à éviter. Ok. Bombe. C'était tout ce qu'on faisait de toute façon à l'époque. On rattaquait des niveaux. Ou c'était peut-être un petit poil en mode trop furieux pour qu'on ait le temps de se rééquiper ou de se remettre dans le jus, quoi. Mais là, ouais, vous en conviendrez, c'est quand même relativement violent. Oh, donne-moi quelque chose. J'étais presque à poil. Oui, non, mais toi, ton gag, je l'ai vu venir. Par contre, tire pas d'ici, tire pas d'ici, c'est trop près. Là, si tu veux, mais pas plus. On est amis, mais pas pour la vie. On est amis à temps partiel. Vas-y, viens, viens, viens. Ouh, j'ai eu peur, j'ai bombé comme un sale. Ça va, ça va encore. Les maracas, là, j'ai pas trop compris à quoi elles servaient. Donc, tu as des maracas magiques et tu es mort. C'est fantastique. Non, tu es mort, c'est la première partie. Je ne peux point croire que tu auras cédé aussi facilement à la plus guerrière de missiles qui t'est tombée sur la couenne. Eh bien, stage 7. Ok. Vu que les gens ne s'arrêtent que rarement sur les niveau nombre impair, je pense que stage 7 c'est peut-être pas le dernier proxy, regarde ça. Parce qu'on commence déjà par du massif. J'ai plus de bombe, mais quelle pas bonne nouvelle! De l'autre côté, allez, de l'autre côté. Zzz. Non, de celui-là, t'aimes bien. Reste là. Ok. Ah, 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 ah. C'est quoi les M? C'est des M&M's? Cette apparition de vaisseau à la Space Invader me fait mourir de rire en fait. Fallait oser. Ce jeu est terrible. Je pense qu'il va être parmi les validés. Il le mérite. Wapa. Oh, reste pas dessous. Juste au moment où je pensais le truc, reste pas dessous. Voilà, le drame. C'est à peu près ça pour m'allumer, gars, non? T'en bouges pas, hop, voilà. Ça,
Ça, c'est check. Je te démonte l'autre. Attends, j'en suis mieux. Là, tu vas tirer mieux. Bon, tu vas bien me faire une cochonnerie. Tu n'as pas la tête du mec sympa. Ah! J'ai pas eu trop bouger. Donne-moi ça. Vas-y, remonte là-haut. Je vais te bomber, toi, si tu continues. Ah, ça balaye pas très large, ça, comme tir. Ça m'a mis un peu dedans, comme on dit. Oh, regardez-moi cette explosion nucléaire de chez nucléaire. Ouh, il y en a de partout. Oh là là, tendu. Note pour plus tard. Oh là, je sens les bras extensibles que je vais me prendre dans la gueule dans 3, 2, 1. Manon. Non! Ça y va les crédits, hein. Donne-moi ça, donne-moi ça. Je reste là-haut, au moins tu peux pas m'avoir. Ah le bougre! C'est dommage, j'étais full. Bon, là, apparemment, son matos n'a pas l'air décidé à casser. Opa! Erreur. Laisse-moi récupérer ça. Et là, il va entrer en mode Furax. Non, même pas. Bizarre, très bizarre. Alors, des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Je te fais perdre tes bonus. Je t'en donne pas parce que ça serait trop facile. Et tu joues trop, 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 trop bien, je veux dire. C'est un peu chargé l'écran par moment. Et vu que les boulettes, bah, du coup, vont relativement lentement comparé du reste, il y a moyen de se jeter sous une boulette résiduelle, apparemment. Parce que je dois faire pas mal souvent. Ouf. Est-ce le boss final final? Bah, ça m'a l'air d'être un costume de balle final final. Hein. Il manque des petites hélices, mais dans les intentions, on sent que c'est fait pour nuire. Alors tu m'as redonné des bombes, ce qui est fort sympa, mon ami. Mais on prévient quand on fait ça déjà. Mais. 2 secondes. Hop, je récupère ça. Ah si, c'est pas vache ça. C'est pas possible. Vas-y, 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 Francky. Ah, oh, Francky qui? Elle est un peu vache, cette série de patterns là, parce que. Pardon. Oh là là, si je me mets dessous en plus, ça va pas du tout. Tu vas te calmer, gros babu, là, et me laisser récupérer mon équipement minimum. Ça, c'est check. Ça, c'est check. Ça, c'est check. Ça va pas tarder à être check. Il n'y a rien à check sur le côté. Maintenant, c'est le milieu qu'il faut dégommer. Ok. À 2 tirs près, quel dommage. Est-ce ta mort finale ultime? Est-ce le tableau final ultime? C'est bien ça, on ne finit jamais sur un nombre impair. Bon, je pense que celui-là, c'est le dernier, parce que s'il rajoute après, c'est vraiment une certaine envie de perversion. Je peux avoir mon bonus, les gars? Quand vous aurez fini de faire les andouilles. Merci. Ah, les trucs par derrière. Il y en a un qui va se faire un plaisir de reprendre mes citations de stream, là, parce que sorti de leur contexte, il y a beaucoup de phrases très rigolotes. Hein. Donc je le refais. Ah, les trucs par derrière. Je t'ai repéré, Chaos. Tu es la perversion ultime. Personne n'est dupe. Et on sait que la jalousie fait que tu essayes de saboter mes streams et les bonnes intentions dont ils fourmillent et par pure jalousie. Parce que t'es pas bon, toi, sur les shmups. T'es aussi bon sur les shmups que moi sur les jeux d'infiltration. J'ai jamais dit que j'étais mauvais à l'infiltration. C'est juste que j'ai pas la patience de rester discret longtemps en général. C'est pour ça qu'en général, moi, mon mode infiltration se résume à Serious Sam, Doom, Quake, Unreal. C'est de l'infiltration, ça, pour moi. Hop, tant qu'à dire des conneries. Un coup de bombe. Cela commençait à y avoir du laisser-aller.
Alors, qu'est-ce qu'on va te casser, toi? Toutes tes petites tourelles, d'accord. Piu, 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 piu. Ça, c'est check. Ah, mais on l'a vu au début, ce gros, en plus. Ça doit être le même qui revient en super équipé, puis à la fin, il va s'ouvrir, et on va voir que c'était le robot boss que j'ai affronté depuis le début du jeu, en fait. Et oui, spoiler, depuis le début du jeu, en fait, j'affronte la même unité de combat. Mais bon, c'est pas désagréable, sinon j'aurais cligné depuis longtemps. Mais c'est qui me fait faire de la gymnastique, rien à voir là, les gars. Vous m'avez fatigué. Je peux avoir des bons? Ouais, super. Assistante mouchoir! Assistante mouchoir! Ah zut, elle est partie faire les courses, quel dommage. Oh, ce tir pourrave que j'ai, mes enfants! Je sais pas comment je vais aller au bout là. Parce que, à part me faire peine, je ne vois guère d'issue. Et là, grand peine, je me fais. Non, je bouge pas, je bouge pas. Tant pis pour le bonus. Je prendrai le suivant. Pardon, à quelle heure passe le prochain bonus, s'il vous plaît? Vous voulez parler des bus? Non, des bonus. Mais que voulait dire ce jeune homme? Pan, 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 pan. Jusqu'ici, tout va. Pff, la hitbox est vraiment trop grande. Enfin, c'est bien, ça fait du challenge. Mais personnellement, si je pouvais choisir, j'aurais réduit un petit chouïste de hitbox. Parce qu'elle est assez massive et c'est assez nuisible à la prise en main du truc. C'était l'avis du pro. Enfin, du pro, au ton goût, hein, je vous rassure. Tu fuis un calvaire, hein. Ah, vas-y, sors ta petite pilule, va t'acheter ton armure. Quoi? Tu vas te battre à poil? Non, 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 non. Allez, viens, 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 viens! Ouh, cassos. Tiens, cadeau. C'est ça, c'est ça. Oui, mais là, il n'a pas dit son dernier mot, car ce fut trop facile, et il n'a pas usé de subterfuges en utilisant des devices et autres extensions dont lui seul a le secret et la maîtrise. Et en fait, je me bats contre un ninja, donc. Ok. C'est bon à savoir. Dans l'espace, la guerre est splendide, ça c'est San Kukai qui nous l'a appris. Mais aussi dans l'espace, maintenant on le saura, il y a des ninjas. Oh. Ça va, celle-là, elle fait peur, mais elle fait pas mal. Il va me foncer dessus, je le sens. C'est quoi cette merde? Oui, d'accord, mais ça, faut pas rester dans l'axe. Ah, mais ça me vise en diagonale aussi. Moi, je croyais que ça passait juste horizontalement. Ce qui déjà était pas mal. Ah, il va me réapparaître sur la ganache. Oh là là. Ça, ce n'est pas très fair play. Imagine combien de crédits on doit passer juste pour voir la fin de ce damné jeu. Fumier de ninja. Faut que je remette des sous, je suis ruiné. Pardon. Donne-moi le full. Voilà. Bon, basse. Enfin, mais il faut ce qu'il faut des fois. Mais ça se détruit ces trucs, c'est pas mal. Hop, hop. Et il faut un bon timing pour contrer ces damnés tirs qui sont un petit peu trop puissants à mon goût. J'ai gagné? Non, 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 tu n'as pas gagné. J'étais en pleine utopie. Je me disais amour, gloire, beauté, argent facile. Une 405 break. Que demande le peuple? Alors le 405 break, c'est un private joke. Hein. Oh! Il a préféré se finir plutôt que ce soit moi? Non, 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 mais je vais refaire le jeu là. Ça va pas du tout. Ah, quelle aventure, mes enfants. Eh bien, merci à toi d'avoir proposé ta ROM rapide héros. Donc, petit shmup de 94 qui est super sympa. Qui a une réalisation propre, sans plus. Qui a un gameplay qui est vraiment agréable. Celui-là, il est validé, mes amis. Vous pouvez le rajouter sans peine à votre collection. On se retrouve pour un nouveau stream parce que j'étais un petit peu long là. Ça fait combien de temps? Oui, une demi-heure. Donc, si je survis, on se retrouve pour un prochain stream.
dans lequel on ne parlera pas des processeurs Intel. Je vous fais des bisous. Ciao, 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 ciao.